Bonjour mesdames et messieurs, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous amenons à Pereira, lycée français, où vous présentez la vie et le métier d'Alejandro Serna. Bienvenue à Canal de Preguntas. Quel âge as-tu? J'ai 52 ans. Où habites-tu? J'habite dans le département d'Antioquia à Andes. Quel est ton travail? La profession de pintor et la spécialité est la décoration de l'archive. Quel est ton métier? Mon métier est peintre et je décore les chivas. À quel âge as-tu commencé ce métier? Depuis tout petit, je fais ce métier. Depuis quand tu travailles tout seul? Je travaille tout seul depuis 2004. On t'a décoré ta première chiva. J'ai décoré ma première chiva en 2004 avec mon frère quand mon papa il est tombé malade. Est-ce que tu travailles tous les jours? Je travaille tous les jours, normalement le lundi et le sábado. Hay veces que trabajo el día domingo porque me toca, porque tengo mucho compromiso. Oui, normalement de lundi au samedi. Parfois je travaille le dimanche parce que j'ai beaucoup de travail à terminer. Est-ce que tu travailles dans d'autres pays? Oui, je travaille en Équateur et aussi dans d'autres villes de Colombie. Quel matériel utilises-tu? J'utilise des différentes règles de compas, de crayons à papier et de la peinture. Je mets les pinceaux dans les compas pour faire des cercles. Est-ce que tu fais un dessin avant pour t'entraîner? Si je vais pintar acá, entonces no lo hago en un papel, sino que lo hago directamente acá. Je peins directement sur la chiva. Est-ce que tu aimes ton travail? Oui, j'aime mon travail parce que c'est ma passion. Maintenant, les enfants de CE2, A, B et C peignent à la manière d'Alejandro Serna. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des lignes. Je suis en train de faire des formes géométriques et symétriques. Je fais des étoiles. Ça veut dire que j'aime beaucoup les étoiles dans le ciel. C'est dur d'utiliser le compas dans le métal. Oui, c'est trop dur. Alejandro Serna m'expliquait que je devais repasser plusieurs fois le compas pour que le crayon à papier se voit bien sur le métal. Est-ce que tu as appris un secret artistique? Faire des traits avec la règle. Samuel, quelle couleur tu vas utiliser? Jaune. Et pourquoi tu vas utiliser le jaune? Parce que c'est trop joli. Et tu aimes travailler avec Alejandro Serna? Oui, j'aime beaucoup travailler avec Alejandro Serna. Merci. De rien. Alejandro nous a dit que nous devons nous concentrer, nous appliquer pour faire ce travail. Alejandro Serna m'explique que je devais mettre la pointe du compas bien droite pour que le compas ne glisse pas. C'est la fin de notre reportage. Merci de nous avoir suivis sur Canal Preguntas. Un grand merci à Alejandro Serna pour tout le temps passé. Et au CDAPC pour la réalisation de ce film documentaire.